We have come to the end of the service. I know you will like to continue to join us. Before then, let us give everybody 4-4 and give everybody 2-2 cards. Please give it to your friend. Use it to invite people to the church. If you go to the market, if you are before your workers, if you are inside the car, give it to them. Don't forget your program, then give everybody 2-2 cards. Use it to invite people to the church. And all of you have it already, but use it. They ask you, where's your church? That's your church. Use it to invite them. Praise the Lord. So, by the grace of the Lord, as I told us, we are meeting tomorrow by 6:30. God will help you. I know you have enjoyed our service today, if not fully. Are you listening to me, ma? I know you have enjoyed our service today. God will continue to help you in Jesus' name. We would like to be seeing you. By 6:30, I will still be there tomorrow to pick people. That's not the maximum. I want you to be inviting people to come. You know, I told us, everybody knows that in America, you beg people to come to church. But God have decided to use us. And by the power and the blood of Jesus Christ, is going to use every one of us in Jesus' name. I want us to learn something. When pastor is praying, always say amen. Amen. Amen is God is doing it. Or God approves it. So when pastor is praying, that in Jesus' name, learn how to say amen. And God is going to help us in Jesus' name. Let's open our Bible to Book of Genesis, chapter 4. Book of Genesis. Open your Bible. Book of Genesis, chapter 4. Book of Genesis, chapter 4:3-5. Whosoever see it can read for us, apart from my children. Genesis chapter 4:3-5. Rise up to read, Brother Dimitri, rise up. Praise the Lord. So here we see that Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had no respect. And Cain was very angry, and his countenance fell. So I've been teaching every one of us to learn how to give to the Lord. Do not say, we are using the business of the Pastor Matthew. I don't know. It's for you to give. And I've told us the best way to give it to whatever comes to your hand, 10% of it, learn to give it to the Lord.
And Almighty God is going to help you in Jesus' name. I appreciate how you have given your life to the Lord. And I believe the Bible let me know that wherever your treasure is, that's where you will be. That's why I'm trying to encourage every one of us. And Almighty God will continue to help us in Jesus' name. So let us bring our tithe and offering. We see that God rejected the offering of Esau, where the offering of Abel was accepted. Let's read our tithe and offering. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Our mighty Father, we glorify your name. We thank you, Lord, because of this afternoon. We thank you, Lord, because of what you have been doing for us and what we continue to do. We thank you, Lord, because of what you are doing globally. Oh, mighty Father, we bring Deeper Life Bible Church of Charlotte onto your hand. It is your church. For many years, we are facing those challenges. Yet, see, the church is there. I pray by the power and the blood of Jesus Christ, you will grow us more than this in Jesus' name. For our sister that came today, I pray by the power and the blood of Jesus Christ, you will bless her. Your grace will be upon her. Father, the enthusiasm that she needs to be coming to the church every time to come and worship with us, Father, you will give to her in Jesus' name. And your name is going to be glorified. Father, for those people who have bring their tithe and offering or whatsoever, I pray by the power and the blood of Jesus Christ, you will bless them a million fold in Jesus' name. For those who does not know how to give, Father, you will teach them in the name of Jesus Christ. You will use the money for the glorification of your name in Jesus' name. We thank you, Lord, for how you have been blessing us, the boss, the false virgin, and all other blessings. Father, accept our thanks in Jesus' name. So shall it be. In Jesus' name we pray. Amen. Let's share the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Thank you. Invite other people to the church. We shall see 6:30 tomorrow. By the grace of the Lord, I will pick up 6:30 tomorrow. Thank you. You are welcome. I know you don't. You say you don't want to give me your phone address, your phone number. Oh, do you need to get in touch with me? Yeah. No, we you know, I always get in touch with them every time. Okay. So we meet tomorrow. We come to Bible study tomorrow. We meet every Sunday. We meet every Sunday. 8:30. Yes. You knock on my door. Yes, I will knock at your door. And by the grace of, if you want to come tomorrow, I come to pick them tomorrow too. That's just Monday and Sunday. Yeah. Okay. 6:30 tomorrow. Okay. Yeah. Tomorrow. Okay. Sunday, sure. Okay. God bless you. The food there. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Bless you. Thank you. So the food is there. Take whatever you want. Take whatever you want. Yeah, whatever you want. Whatever you want.
Et au nom de Jésus-Christ, je loue le Seigneur pour vous, pour votre famille et tout ce qui vous environne et les amis qui sont invités à prendre part à ce culte d'adoration. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'important à vous injecter. Je crois que vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour ce temps-ci, nous te remercions pour ton amour pour chacun de tes enfants. Nous demandons, Seigneur, que ce culte d'adoration soit un temps de réveil pour tout le monde, un temps de rafraîchissement pour tout le monde, et que la puissance inspire tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Aide-nous à redécouvrir et à récupérer tout ce que nous avons perdu et que la force du Seigneur et la force de l'Esprit viennent sur chacun de nous adorant avec nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui déjà, nous avons étudié de Psaume 8 et 9 au cours de notre session du sondage. Cette fois-ci, je vais voir Psaume 8 et je prends certains versets de Psaume 8 et par là, nous allons nous plonger à ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Mais que je retourne à Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis il a dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Voyons ceci, je veux que vous remarquiez un mot particulier ici. Dieu les bénit et Dieu vous bénira aujourd'hui et va vous bénir continuellement. Et Dieu leur dit, soyez féconds, vous serez féconds dans toutes les matières, dans tous les domaines, spirituellement, physiquement, matériellement, dans l'œuvre de votre main, vous serez fructueux, féconds au nom de Jésus. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et regardez, et dominez sur les poissons. Vous ne devez pas être un homme piétiné, vous devez être, vous tenir debout, vous devez avoir l'épine dorsale, vous devez avoir l'autorité, la domination. Adam était créé, Adam et Ève ont été créés pour avoir la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Finalement, vous connaissez bien l'histoire. L'homme a chuté de la grâce, a chuté de la grâce à la déchéance et puis l'homme a perdu cette domination et nous lisons de Psaume 8 maintenant verset 5 qui dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. 6 tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 7. Tu lui as donné la domination. Vous voyez cela? Vous rappelez cela? On a lu cela en Genèse 1, verset 28. Maintenant, c'est dit que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ce que je vais dire ici, c'est que cela se trouve dans le verset 5. La question là dans le verset 5 qui dit qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ouais, comme vous posez la question là, vous posez la question qu'est-ce que l'homme? Vous devez découvrir l'homme dont vous parlez, vous devez définir l'homme dont vous parlez parce que il y avait l'homme à la création. Qu'est-ce que vous connaissez de l'homme à la création? C'est dit en Éphésiens chapitre 4, verset 24 qui dit « Et à revêtir l'homme nouveau,
il y a un ancien homme, il y a un nouvel homme. Qu'est-ce que l'homme? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque Dieu a créé l'homme et que l'homme est sorti des mains du Dieu Tout-Puissant, cet homme-là était créé à l'image de Dieu. Il était créé selon la ressemblance de Dieu. Il était créé dans la justice et dans la sainteté pratique. Donc, quand on dit qu'est-ce que l'homme, nous allons dire à la création, c'était une créature de Dieu comme Dieu lui-même, juste, sainte et pieuse. Et après, l'homme a chuté. Alors, on pose la même question, qu'est-ce que l'homme? Alors, nous allons voir l'homme maintenant sans Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 12, qui dit, souvenez-vous que cela se référait au temps que vous étiez sans Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, quand vous dites qu'est-ce que l'homme, vous devez définir l'homme et décrire l'homme. Donc, vous posez la question, l'homme à la création, il était saint, une créature juste, sainte de Dieu. Qu'est-ce que l'homme sans Christ? Voilà le verset 1 de Éphésiens 2. Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qu'est-ce que l'homme sans Christ? Alors, c'est un transgresseur et un pécheur. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce que l'homme sans Christ? C'est la personne qui n'a pas le contrôle de sa vie, qui n'a pas le pouvoir sur lui-même. Il est dominé, il est piétiné par le diable. Verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Avant que nous connaissions Christ, nous étions comme tous les gens du monde. On n'a pas de force, on n'a pas de domination. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Après la chute de l'homme, oui, la nature du péché, la nature de Satan, de transgression, maintenant est donnée à l'homme. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On pose la question, qu'est-ce que l'homme à la création? Qu'est-ce que l'homme sans Christ? Que je vienne maintenant à un autre point. Qu'est-ce que l'homme après la conversion? Lorsque le Seigneur nous a pardonné et nous sommes régénérés, et nous sommes rachetés et nous sommes acquis et par le sang de l'agneau. Et nous a fait devenir membres de la famille de Dieu. Voyons 2 Corinthiens chapitre 6 et voyons verset 17 qui dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il nous a séparés, il nous a ôtés.